Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un symbole juif extrêmement connu, avec des côtés un peu péjoratifs dont nous parlerons. Il s'agit de l'étoile, et plus tard aussi de l'étoile jaune, n'est-ce pas, Rabbin Raphaël Sadin? Alors, l'étoile dite de David, on va se demander pourquoi elle s'appelle l'étoile de David, l'étoile dite de David apparaît dans d'autres civilisations, dans l'Antiquité, comme un signe magique. Et elle a été récupérée ensuite dans la communauté juive, où on en a donné un certain sens à sa forme, parce qu'on dit étoile de David. Alors, mais en réalité, David n'avait pas d'étoile. Enfin, il avait une bonne étoile, si on veut. Il n'avait pas d'étoile. L'étoile de David, historiquement, remonte à un combattant juif du Moyen-Âge qui avait un écu, un bouclier en forme d'étoile de David. C'est pour ça. Et comme il s'appelait David, David Alroy, donc on appelait ça l'étoile de David, ça n'a aucun rapport avec David. Mais enfin, ça, c'est devenu le symbole du judaïsme, notamment au temps de la Renaissance. Pour commencer, c'est la communauté de Prague qui, sur sa synagogue, avait mis cette étoile de David, dont la valeur et la forme géométrique sont importantes. Tout à fait, mais on trouve, ce n'est pas évident, on ne connaît pas très bien l'origine de l'étoile de David, c'est pas sûr qu'elle ne soit pas d'origine purement juive, et que ça, on ne sait pas qui a récupéré qui, on le trouve dans des temples, dans des synagogues au IIe siècle, on ne sait pas très bien, mais en tous les cas, c'est devenu un symbole juif, et c'est, ça a été interprété par les rabbins, ayant un sens, ce n'est pas juste un symbole, ce n'est pas une pure symbolique, il y a une symbolique qui renvoie à une métaphysique. Et c'est lié au temps, puisque c'est deux triangles, et dans le judaïsme, il n'y a pas une seule forme de temps, il y en a sept. Cette forme de temps. Mmh. Et donc vous avez le premier triangle, où la base est en bas, donc le premier triangle, c'est deux triangles superposés, et la première barre du bas... On peut même dire deux triangles inversés. Inversés, exactement. Donc on voit déjà le rapport du haut vers le bas et du bas vers le haut. La première base en bas et symbolise le temps universel, précisé dans la Torah par Bereshit. Au commencement. Au commencement, qui est le premier mot de la Bible, la première parole que Dieu a adressée. Or, Bereshit, justement, n'est pas une parole qui s'adresse à quelqu'un, puisqu'il n'y avait rien. C'est la première expression divine qui est la création du temps, nous dit. Le temps n'est pas quelque chose qui est consécutif à l'espace, oui. Il est le parchemin dans lequel va s'engouffrer toute l'histoire du cosmos. Si on dit que le premier mot de la Torah et de la Bible, donc, Bereshit au commencement, c'est la définition de l'irruption du temps. Ça veut dire le vrai commencement, c'est le commencement du temps. Tout à fait. Avant, il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas de temps. Le temps, et d'ailleurs, c'est avéré par la science aujourd'hui, le Big Bang, on sait très bien que le temps a commencé avec le Big Bang. Même le temps physique a un commencement. Donc ça, c'est le premier temps. On va s'engouffrer toutes les quatre empires, l'histoire du monde, l'histoire de l'universel, l'histoire du peuple juif, etc., etc. On dit souvent que le judaïsme est une historiosophie, c'est-à-dire une philosophie de l'histoire. La philosophie en général parle du temps éternel, mais le judaïsme est une philosophie un peu particulière, c'est une interprétation, une lecture de l'histoire d'abord, plus que de l'espace, je dirais, du temps plus que de l'espace. D'ailleurs, on a dit, Eschel, un grand écrivain juif, a intitulé un de ses livres « Les bâtisseurs du temps ». Pour dire, les civilisations gréco-romaines occidentales bâtissent l'espace, on construit des cathédrales, on construit des palais, les Juifs ont bâti le temps. Tout à fait. Le temps dont Eschel parle, qui prend racine dans le Anochi, je suis ton Dieu, dans le premier des 10 commandements, qui est l'intervention divine dans l'histoire qui permet la pérennité du peuple d'Israël. Mmh. Si le peuple d'Israël avait vécu que dans le temps général, le temps universel, il aurait été englouti par l'histoire comme les centaines de peuples, de civilisations qui ont été engloutis par la grande histoire avec un grand H. Le fait qu'il y ait une intervention permanente de Dieu dans sa providence pour sauver le peuple d'Israël de l'assimilation totale à l'histoire, c'est le temps du Zman. Or, Zman, en hébreu, a pour racine étymologique, et c'est unique, ce n'est que dans la langue hébreu, en tous les cas sémitique, qui Zman a pour racine étymologique Azmana. Ça veut dire qu'on est dans un invitation. Invitation. C'est qu'on est dans un temps est appelé invitation. Invitation. Et d'ailleurs, un autre terme qui désigne le temps et qui désigne les fêtes, s'appelle Moed, ce qui veut dire rendez-vous. Rendez-vous. Le Zman est une invitation à quoi? Ça veut dire qu'on a une structure du temps. D'habitude, le temps est structuré par le présent est structuré par le passé. Les archéologues, les historiens analysent une situation présente de l'histoire en essayant de découvrir des raisons archéologiques, des raisons, des causalités. Des racines. Des racines qui font que la révolution a eu lieu, etc. On l'explique toujours
par des causalités antérieures à l'événement. Mmh. Il y a une figure tout à fait originale du temps dans la Torah, qui est le Zman, qui prend racine dans Anochi, qui est un temps de l'espoir. Ça veut dire où le présent est prodigieusement travaillé déjà par une annonce, par quelque chose qui va se dérouler plus tard. Le temps messianique, si vous voulez, ce qui permet la pérennité du peuple d'Israël. Il faudrait qu'on revienne au problème du Maguen David, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, il a été appelé bouclier David, non pas à cause du roi David, mais il est devenu, au fil des temps, un symbole du peuple juif. Et ça a commencé à Prague, et pendant des siècles, des synagogues ensuite se sont ornées d'étoiles de David, jusqu'à ce que soit arrivée une autre étoile. On peut dire que les juifs avaient la bonne étoile, et après ils sont devenus sous la bonne étoile, avec le nazisme, avec l'occupation allemande, avec l'étoile jaune imposée sur les déportés, etc., qui a été un moment où le sens de l'étoile de David a été complètement inversé. C'est comme si tout à coup, imaginons que le drapeau tricolore devient le signe de la prison ou de la déportation. Voilà que l'emblème du judaïsme est devenu le signal de la honte apposée sur les juifs opprimés et déportés. Oui, mais ça c'est la force du peuple juif, la résilience. Tout ce qui ne tue pas le peuple juif le rend plus fort, en paraphrasant Nietzsche. Vous savez que le Shtreimel, qui était le chapeau traditionnel des chassidim, au début, à l'origine, était un signe indigne, fait avec des poils de cochon, et c'est devenu un signe distinctif, honorifique pour les juifs religieux. Oui, il y a une autre interprétation, c'est qu'il semble qu'au XVIe siècle, le chapeau de fourrure était le signe des aristocrates polonais. Tout à fait. Et que les juifs, la même chose. Le Shabbat mettait ça pour montrer le Shabbat. La noblesse du Shabbat. Être juif, fondamentalement, c'est donner un futur à ce qui est donné pour mort. C'est ça. C'est la capacité toujours de renaître. C'est ça. Mais ce deuxième temps, justement, a affaire avec cette histoire-là, puisque vous connaissez ce midrash extraordinaire que moi j'adore, où on a l'époque de Nimrod, avec Avraham Avinu, où commence en réalité l'histoire du judaïsme. Et Nimrod avait décidé de se révolter contre Dieu et de mobiliser toute l'humanité contre Dieu. C'est l'ancêtre des chasseurs. Des chasseurs, c'est le révolté. Nimrod, oui. Ça veut dire le révolté, étymologiquement. Et il avait projeté de rallier à sa cause toute l'humanité en disant, si on va tous contre Dieu, on va piéger Dieu à son propre jeu. Puisque Dieu a créé un homme libre, si on est tous contre lui, il sera bloqué, il ne pourra rien faire. Et déjà à l'époque, le problème c'était les Juifs. On a dit, oui mais il y a quelqu'un qui rentre pas dans la combine. C'est Abraham derrière le fleuve, c'est pour ça que le mot hébreu, Éver, vient de là. Éver, ça veut dire hébreu, ça veut dire celui qui est au-delà du fleuve. Qui est de l'autre côté. De l'autre côté du fleuve. Donc vous êtes d'un côté, mais les juifs sont de l'autre côté. Ils sont de l'autre côté, tout à fait. Et lui, il rentre dans la combine. Et Nimrod regarde Abraham, il dit, près d'Azo El Haatid, cette mule n'a pas de futur parce qu'il est stérile, il vaut rien, il est tout seul avec son âne. Il n'avait pas d'enfant encore. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait rien. Or, si on était nous à l'époque, on voit Nimrod avec la banque, l'armée, le système politique, tout derrière lui, et Abraham tout seul. Sur qui on aurait misé 100 000 euros? Soyons honnêtes, je pense que la plupart des gens auraient misé sur Nimrod. Or, 3500 ans plus tard, que reste-t-il de Nimrod? Que ce que nous, on en dit maintenant dans cette émission. Ça. Alors que Abraham sous-tend toute la civilisation humaine, le christianisme, l'islam, le judaïsme, tout vient d'Abraham. Et dont l'étoile de David, plutôt le bouclier de David, que en hébreu, on se demande pourquoi on l'a appelé étoile et pas bouclier. Eh bien, c'est le symbole, justement, de cette pérennité, et aussi par ses valeurs numériques, parce qu'il a 6 pointes, il a 7 dimensions, donc on a beaucoup joué sur le 6 et le 7, qui sont les signes du profane et du sacré dans le judaïsme. Il a 5 cônes, comme les 5 livres de la Torah, oui, énormément de symboles. On a trouvé beaucoup de symboles. Et vous savez qu'historiquement, on en trouve des origines très anciennes, évidemment, dans l'Antiquité, mais c'est surtout à partir du XVIe siècle que l'étoile de David, à Prague, devient le symbole de la communauté qu'on la trouve en très grand sur la synagogue de Prague, n'est-ce pas? Donc à partir de ce moment-là, ça s'est répandu, donc c'est quand même très tardif, ça s'est répandu dans toute l'Europe. On finit le premier triangle, il y a l'autre niveau qui va de bas vers le haut, là c'est l'autre bas, qui part comme ça, qui est ce que vous avez appelé le Moed, la rencontre, où c'est le temps de la conscience, où à un moment donné, ce qu'on appelle le temps du Yovel, il y a un temps de la conscience intérieure, où la personne rencontre la vérité à l'intérieur de l'écoute de sa propre temporalité intérieure. C'est ce qu'on appelle le Yovel. Et on a ici le premier triangle, avec comme base le temps universel, un Bereshit, au commencement. Une deuxième base de haut vers le bas, qui est le Anochi, Dieu intervenant dans l'histoire du peuple juif pour le sauver de l'assimilation et de la destruction. Et un retour de ce destin exceptionnel par un temps de la conscience qui fait le premier triangle, sur lequel va se superposer le deuxième triangle qui, lui, est inversé, comme vous l'avez dit. C'est le temps céleste. Alors, c'est un temps tout à fait bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce temps céleste? C'est que dans le Harizal et dans la Kabbalah, on nous enseigne
qu'il se passe en haut des choses très bizarres, des choses qu'on ne voit pas, c'est que le nombre de mitzvot qu'on fait, de bonnes actions qu'on fait, ou bien au contraire, de mauvaises actions, le nombre de sens qu'on a pu dénouer par l'étude de la Torah, ou le contraire, crée une histoire céleste. C'est-à-dire que quand on arrive en haut, après 120 ans, après la mort, on relie sa propre existence et l'existence de toute l'humanité, non plus en fait matérialisé, comme ici, mais en fait spiritualisé. Ça veut dire qu'il y a toute une articulation de nos bonnes actions et nos mauvaises actions qui crée un parchemin qui va conditionner un retour après le monde. C'est création, révélation, rédemption. Alors les diverses significations qu'on a pu attribuer à l'étoile, n'est-ce pas, sont révélatrices de tant de la pensée juive. C'est un paradoxe terrible de penser que l'étoile qui était le signe des synagogues, le signe de la judéité, soit devenue un signe de honte en devenant jaune. Vous savez, c'est pas par hasard qu'elle est devenue jaune. Le jaune, au Moyen-Âge, était la couleur des prostituées. Et aux Juifs, notamment dans divers ghettos, on avait imposé des chapeaux jaunes pour les assimiler aux prostituées. Et les nazis n'ont fait que reprendre ça en 1940, n'est-ce pas, en France. Mais moi, j'ai toujours été très ému par la beauté de ces juifs frappés par l'étoile jaune nazie, par leur dignité. Il y avait une histoire absolument extraordinaire où une fois, il y avait un très grand rabbin dans un village où les nazis ont voulu humilier le rabbin devant tout le monde. Ils l'ont mis face à un mur pour le fusiller avec son étoile jaune. Et lui, il a pris sa main comme ça. Et il dit, comme je vois cette main, je vois que vous n'avez aucun avenir. Et ils ont tiré tous, ils l'ont tué, ils l'ont assassiné devant tout le village. Et il y a eu une sorte de gêne chez les nazis, parce qu'on avait l'impression, malgré que le pauvre rabbin était mort, que c'est lui qui avait triomphé. Mmh. Et eux, ils se sont trouvés idiots devant cet assassinat minable, absolument hideux. Et donc la force, justement, la Magen David qui devient l'étoile jaune infâme de l'indignation nazie, peut être retournée en surplus de dignité. De dignité. Alors, c'est pas pour rien que l'État d'Israël a en quelque sorte sublimé cette étoile de la honte pendant la guerre, pour devenir l'étoile de la fureté du peuple juif. Et si vous voulez, je voudrais terminer par une petite anecdote très connue. L'écrivain Patrick Modiano s'est promené un jour sur la place de l'étoile, et quelqu'un lui a dit, ou pas loin, Champs-Élysées, et quelqu'un lui a dit, excusez-moi monsieur, est-ce que vous pouvez me dire où est la place de l'étoile? Il a dit, oui, c'est ici la place de l'étoile. Alors juste pour finir, on fait les deux autres temps très rapidement. Le sixième temps, c'est le temps d'une conjonction d'éternité et du moment, qu'on appelle Et. Et c'est une partie de Atid, qui veut dire futur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il vous arrive dans la vie, à des grands événements, dans un mariage, ou quand on écrit un livre, où on vit en même temps une temporalité complètement concrète, charnelle, mais qui est en même temps le reflet de quelque chose d'éternel. C'est la barre qui va comme ça. Et donc on a les six temps qui forment, les six barres qui forment le temps de la vie. Et celle du milieu, c'est le temps vide, c'est le temps de Dieu, mais là, on peut même pas en parler parce que ça dépasse tout entendement. C'est le septième temps qui unifie les six temps et qui donne le sens divin de toute la dialectique des six temps qui était avant. Bon, ben je crois que de temps en temps, ça fait du bien de parler du temps. Merci beaucoup. Merci.